Bonjour, donc ici j'ai un texte de Pages, qui est l'application ci-dessous, que je vais ouvrir. Et un petit retour pour savoir comment fonctionne Pages. Si vous ouvrez Pages et qu'il y a, vous voyez ici, un document qui est déjà en train de travailler dessus, vous pouvez cliquer sur la petite flèche qui est ici. Et là, vous avez tous vos documents qui sont dans Pages. Ils sont classés ici dans les, parmi les plus récents. On peut avoir des documents aussi dans notre iCloud ou dans notre OneDrive si on l'a juste ici. Donc moi, je vais aller ouvrir ce document ici et je vais vous montrer quelques petits trucs aussi avec Pages. Donc ce que j'aime bien faire avec Pages, vous voyez, j'ai mon texte sur les pandarous. Et maintenant, donc si j'aimerais ajouter du texte, je vais cliquer simplement ici dans la boîte de texte et je vais faire un double clic avec mon doigt où est-ce que je veux ajouter du texte. Et si je dis je, vous voyez dans le bas de mon écran, j'ai la prédiction de mots ou de texte qui apparaît. Il y aura une autre vidéo pour vous montrer comment ajouter la prédiction de texte. Je vais vous. Et vous voyez, j'écris seulement les deux premières lettres et on a la prédiction de texte qui arrive là. Présenter. Et vous voyez ici, j'ai un accent. Donc, mon clavier n'est pas configuré en anglais, en français. Donc, vous voyez ici, il y a un petit « et », je vais faire le « e » accent aigu. Et il y a un petit « en » qui est juste ici. Je dois cliquer sur le « en » pour l'avoir sur « fr ». Et puis par la suite, vous voyez, je peux aller faire le pré, vous présenter le panda roux. Et là, je peux mettre un point. Donc, je n'ai pas besoin de tout taper les mots. J'utilise vraiment la prédiction ici pour écrire. Vous voyez ici, l'orem, si je veux modifier ça, je vais aller souligner. Je peux aller peser sur supprimer. Et là, je pourrais ajouter du texte avec ma voix. Pour ajouter du texte avec ma voix, je peux cliquer sur le microphone. Une photo. Et vous voyez, si je pèse sur le microphone qu'il y a ici, c'est un mot à la fois. Photo. Photo. Du, vous voyez, j'ai juste un mot à la fois. Donc, si je vais ajouter plus d'un mot, il faut vraiment aller afficher le clavier. Donc, on va aller afficher le clavier juste ici. Et je vais aller afficher le clavier. Donc là, j'ai mon clavier. Si je vais ajouter du texte, je peux écrire ici. Je peux remplacer les mots ici. Mais je peux aller cliquer sur le micro qui est juste ici. Du panda roux. Point. J'aime vraiment cette photo. Point. Donc, c'est des petits trucs aussi qui peuvent vous aider avec les différentes partie de Pages, la voix avec le texte. Maintenant, si j'aimerais avoir ou cacher mon clavier, je vais cliquer ici pour aller cacher mon clavier. Donc, vous vous demandez peut-être où est-ce que j'ai pris ce thème ici avec toutes les choses. J'ai choisi un modèle qui existe déjà. Je vais cliquer sur la flèche ici. Et vous voyez, si je vais aller créer un nouveau modèle, je vais aller sur le plus. Et il existe plusieurs modèles qu'on peut utiliser. On peut faire une recherche scolaire, il y a différentes choses ici qu'on peut faire. Donc, moi, ce que j'aime vraiment utiliser, ce sont souvent les livres en paysage. Et vous voyez, le modèle que je vous ai montré sur les pandarous, c'est celui-là que j'ai changé les images et le texte. Si je clique dessus à nouveau, maintenant, j'ai ce document et j'aimerais l'envoyer à quelqu'un. J'ai ici la boîte avec la flèche et je peux
envoyer une copie ou même envoyer ce document-là à collaborer avec quelqu'un. Mais de mon côté, je vais l'envoyer comme copie. Et ce que je vais faire, je peux aller le sauvegarder dans mon OneDrive, qui est juste ici, parce que j'ai mon OneDrive d'installer. Je pourrais aller aussi le partager dans Teams. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans Teams et je pourrais aller le partager avec quelqu'un, un enseignant ou quelque chose. Donc, si je choisis ici de le partager, par exemple, avec mon petit garçon. Voilà. Je pourrais lui partager de cette façon-là. Maintenant, c'est important de savoir que lorsque je le partage de cette façon-là, mon petit garçon va seulement être capable de l'ouvrir en utilisant Pages. Si j'aimerais qu'il l'ouvre d'une différente façon, je dois l'envoyer d'une différente façon ou le partager d'une différente façon. Donc, pour le partager d'une différente façon, je vais aller cliquer ici. Et je vais aller cliquer « Exporter ». Je vais l'exporter sous format PDF. Et je vais aller « Exporter » ici. Lorsque je l'ai exporté sous format PDF, je peux aller l'enregistrer dans mon OneDrive ou à plus d'endroits, je pourrais même aller l'exporter dans mes fichiers sur mon iPad. Et je vais aller l'enregistrer ici. Donc là, il est exporté directement sur mon iPad. Donc si je veux avoir accès, je peux aller dans mes fichiers, qui est une petite enveloppe. Pour moi, elle est située juste ici. Je vais aller cliquer sur « Fichier ». Et vous voyez que mon document Pandaru est juste là. Et il ouvre sous format PDF. Maintenant, si je veux l'avoir à nouveau, puis j'aimerais l'exporter sous format Word. Je vais cliquer ici, la petite flèche encore. Et je vais aller l'exporter sous format Word. On s'entend qu'il y a certains arrière-plans ou sous-titres qui ne seront pas exactement au même endroit. Je vais aller cliquer sur « Continuer ». Et je pourrais, à ce moment-là, l'envoyer par courriel ou dans mon OneDrive. Et par exemple ici, si je décide de l'envoyer dans mon OneDrive pour vous montrer qu'est-ce que ça va faire, je vais aller dans « Fichier ». Je vais sélectionner mon OneDrive que je vais avoir. Et là, de cette façon-là, je peux aller l'ouvrir dans mon OneDrive qui est juste ici. Je vais aller dans mes fichiers. Et vous voyez le document, les Pandaru. Va s'ouvrir juste ici dans Word. Vous voyez que les couleurs ne sont pas exactement les mêmes. Et puis là, je l'ai ouvert d'une façon à être capable d'aller le modifier. Donc, vous voyez ici, j'ai le Pandaru. Où est-ce que je peux aller le modifier? J'ai le texte qui apparaît, les images et toutes les belles choses qui viennent ensuite. Donc, vous voyez ici, j'ai le texte. Si je veux écrire le texte, la prédiction de mots apparaît encore. Même chose pour partager la boîte avec la flèche.
Je pourrais le partager ici avec mon enseignant. Je pourrais l'envoyer par courriel. Sélectionner le courriel et envoyer une copie. Même ajouter un message.